Bonjour les filles, bon jeudi après-midi, bienvenue à l'Institut Beauté et Routine Rose. Alors, j'espère que tu vas bien. Je te laisse quelques petites minutes pour venir te connecter avec moi pendant que je mets fin à mes notifications pour pas qu'on soit dérangé puis qu'on puisse passer peut-être un 15-20 minutes ensemble, dépendamment de tes questions, dépendamment de l'interaction qu'on va avoir ensemble. Donc, écoute, je te laisse venir te connecter. Prends le temps de partager parce que probablement que ça va intéresser plusieurs femmes autour de toi. Oui, j'ai fait le virage Institut Beauté, soins esthétiques. Je te raconte un petit peu comment ça s'est passé, mais regarde, t'es invitée dans ma cabine aujourd'hui, dans ma cabine esthétique, donc voilà. Écoutez les filles, envoyez-moi un petit pouce, parce que j'aime ça quand vous me dites que vous êtes là, puis que c'est interactif, puis n'hésite pas à me poser des questions. Je me suis pris des petites notes, vraiment, pour te transmettre absolument tout ce que je sais sur le micro-needling. Comment j'ai découvert ça? Ben moi, personnellement, allô José, merci d'être là! Donc, moi, personnellement, bon, vous le savez, je suis conseillère Mary Kay depuis 2015. Donc, vraiment, la beauté, c'est quelque chose qui m'interpelle et qui me préoccupe aussi parce que on n'a jamais une deuxième chance de faire une première impression. Et les femmes, notre visage, c'est vraiment notre carte de visite, c'est vraiment ce qui définit notre personnalité, c'est quelque chose qui est important pour moi. Vieillir en beauté également, les filles, vous le savez, j'ai eu 47 ans dans les derniers jours, donc c'est important pour moi de te transmettre mes trucs pour que toi aussi, tu puisses bénéficier de tout ça. Le micro-needling, pour moi, ça a répondu justement au besoin de fermeté de la peau. Hein? J'avais des petites rides qui commençaient à se creuser au point de vue du visage. Je commençais à moins me reconnaître. Et puis, c'est une amie qui me fait découvrir le micro-needling. Mais ça fait pas juste raffermir la peau. Oui, ça fait ça, mais il y a plein d'autres affaires. Reste branché avec moi, tu vas voir. Donc, moi, j'ai fait mes séances de micro-needling et j'ai vu une différence au niveau de la fermeté, au niveau de la texture de ma peau, au niveau du teint aussi. Donc, c'est toutes des petites choses là qu'on va venir corriger avec le micro-needling. Le micro-needling, c'est quoi? Le micro-needling, en fait, c'est un soin qui est très peu évasif, qui est très sûr, OK? Donc, ça va venir... dans le fond, on va utiliser... Ça ressemble à un petit crayon, hein? Ça ressemble vraiment à un petit crayon. Donc, on va venir utiliser cette petite machine-là. C'est une technique là, qui permet de faire des micro... Alors, c'est très, très, très infime, des micro, dans le fond, c'est on appelle ça des micro-ponctures. Je cherchais mon mot, des micro-ponctures dans différentes couches de la peau. À l'aide de ce petit crayon-là ici, alors je vais te, là, je peux pas le partir parce que c'est pas ma batterie que j'ai en dessous, mais c'est celui qui se branche. Donc, on va venir ajouter des aiguilles ici à usage unique. Alors, tu comprends que c'est scellé. Alors, on va venir passer de cette façon-ci partout sur le visage. On va traiter le cou pour celles qui sont tolérantes parce que le cou, c'est une partie très, très, très sensible de la peau. Donc, mais on peut venir traiter le cou. On traite le visage, on peut même venir traiter les lèvres. Mais qu'est-ce qu'on traite avec le micro-needling? Ben en fait, on va venir, comme je disais, raffermir la peau. On va venir estomper les rides, effacer les ridules. Donc, c'est un soin anti-âge vraiment éprouvé. Les fameuses taches brunes, les taches
pigmentaires. Celles qui ont mon âge, là, on le sait, quand on était jeune, la crème solaire, c'était pas quelque chose qu'on utilisait systématiquement quand on allait à la plage ou quand on sortait à l'extérieur. Donc, en vieillissant, les taches pigmentaires apparaissent. Hein, c'est une décoration de la mélanine de la peau. Donc, on vient traiter les taches pigmentaires. On vient traiter le port de peau qui est plus ouvert, donc toutes les peaux qui sont des peaux tendance à l'acné, on vient traiter ça et ça vient réguler aussi par le fait même la production de sébum parce qu'on vient refermer et raffermir la peau, donc le pore de peau. En fait, quand on va venir introduire la micropuncture, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient activer la fameuse cellule de fibroplasme. Et elle, cette cellule-là, elle est responsable de tout ce qui est collagène, élastine. C'est elle qui fabrique, c'est ta fabrique naturelle de collagène et d'élastine. Donc, c'est elle qu'on va venir activer. Alors, on va traiter aussi les taches brunes, je l'ai mentionné, le port de peau, le rajeunissement. Qu'est-ce qu'on vient traiter aussi avec le micro de Lidling? Évidemment, ça va raffermir, rajeunir les traces. Celles qui étant plus jeunes ont eu des traces causées par l'acné, parce qu'à l'époque, encore là, les soins n'étaient pas aussi poussés qu'aujourd'hui. Donc, toutes les traces qui sont restées sur la peau à cause de l'acné, à cause qu'on n'a pas eu de bons soins à l'époque, ben que l'acné était très, très, très probante, on vient rectifier ça. Donc, puis évidemment, comme ça stimule tout ce qui est naturel chez nous, chez l'élastine, le collagène, c'est un soin qui peut être pour tout le monde qui veut avoir un petit peu plus de fermeté, qui veut corriger une petite tache brune ou plusieurs taches. Évidemment, c'est pas en une seule séance qu'on va arriver à corriger ça. On recommande, dépendamment de la personne et de qu'est-ce qu'on travaille ensemble. Donc, c'est de 3 à 6 séances de micro-needling qui sont à 4 semaines d'intervalle. Donc, c'est minimum 4 semaines d'intervalle entre les soins. Ça peut être plus, mais ça peut pas être moins. OK? Donc, une séance, comment ça se déroule? Je te dirais que ça dure entre... La première séance va être la plus longue. Parce que c'est vraiment là qu'on va cibler tes besoins à toi. Est-ce que tu viens pour raffermir ta peau, pour travailler une ridule en particulier, une tache pigmentaire? Est-ce que tu viens pour travailler ton pore de peau, pour raffermir, pour refermer ton pore de peau et ton sébum? Donc, c'est vraiment là qu'on va cibler ton besoin dès la première séance, OK? C'est sûr que quand on fait le soin avec la petite machine, on ne va pas juste utiliser le petit crayon avec les micro-aiguilles. On va ajouter un sérum qui va venir pour ton besoin spécifique. Personnellement, dans les premières rencontres, dépendamment de comment ta peau va interagir, moi, je vais avec une polyvitamine pour vraiment renourrir ta peau. Donc, les premiers soins, les 2-3 premiers soins, on y va avec une polyvitamine et on vient renourrir la peau. Puis ensuite, dans les séances subséquentes, c'est là qu'on va venir travailler avec un sérum spécifique pour toi, le besoin pour lequel toi, tu es venu. Donc, ça peut être, comme je vous dis, au point de vue du teint, éclaircir le teint. Ça peut être les taches pigmentaires, ça peut être refermer les pores de peau, les ridules, les soins rajeunissants, tout ça. Donc, c'est dans les séances subséquentes qu'on va venir travailler avec le sérum particulier pour toi. Une séance, ça dure en moyenne 1h30, 1h45.
parce qu'on va faire un nettoyage de ta peau. On va faire un petit masque au charbon, hein, pour vraiment venir dégager la peau. Ensuite, évidemment que comme c'est une micro-aiguille, c'est une micro-poncture, on va venir appliquer une crème anesthésiante. Et après ça, on va commencer le soin. Alors, le soin, c'est 3 à 4 passages qu'on va faire sur ta peau avec le petit outil ici. Et plus le soin va avancer, plus tu vas être tolérante au soin, plus on va pouvoir aller plus loin dans le derme. Donc, personne n'est égal là-dessus. C'est vraiment avec toi, avec ton besoin, ta tolérance, tout ça, qu'on travaille ça ensemble. Et ensuite, bien évidemment, on va venir appliquer un masque pour venir calmer la peau, calmer tout ça, et tu repars avec un hydratant. Des conseils aussi, hein, parce que après la séance, on ne met rien sur son visage pendant au moins 5 heures. Il faut avoir une protection solaire. Faut pas aller au soleil tout de suite après. Mais par contre, tu pourrais aller retourner au bureau, là, pas de problème. C'est juste que normalement, ton visage est plus rouge et il faut pas que tu mettes de maquillage par-dessus rien. Mais il n'y a pas de contre-indication, tu seras pas affaibli ou, tu sais, il y a aucune contre-indication à retourner au travail après un soin, mis à part que ton visage est plus rouge que la normale. C'est tout. C'est vraiment tout. Évidemment, on regarde ensemble les conseils, hein, avant que tu quittes, et tu repars toujours avec un petit cadeau. Je pense que j'ai fait pas mal le tour de ce que c'est le micro-needling. N'hésite pas à m'envoyer tes questions en live, en rediffusion. Je sais pas si toi, Josée, tu avais des questions, parce que toi, Josée, t'as eu une séance, hein, avec moi. Donc, tu pourrais commenter, savoir qu'est-ce que t'as apprécié et tout. Et puis, n'hésitez pas, les filles, à me poser des questions en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre, même si vous êtes en rediffusion. Et, ben, pas mal ça. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue vous voir, hein? Fait que je suis un peu nerveuse, un peu plus... me mélange un petit peu dans mon ordre, mais en tout cas, j'y vais spontanée, puis c'est vraiment comme ça. Oui, super! Bon, ben, mais si t'as des questions, n'hésitez pas. Merci tellement. Merci à toi, Josée. Merci. Merci aux filles. Le micro-needling, vu que c'est mon lancement, va être en spécial. C'est un soin d'une valeur de 250 $ par séance. Je sais qu'il y a des instituts qui font signer des engagements pour tant de séances. Moi, je ne ferai pas ça parce que c'est toi qui viens bénéficier de ce service-là. C'est pour toi qu'on le fait. Alors, moi, je vais y aller vraiment là avec toi, puis on va étaler ça là avec ton budget, tes besoins et tout. Josée Turbide me demande pourquoi tu mets un produit et après un autre produit. Qu'est-ce que tu veux dire, Josée? Pourquoi je mets un produit et après un autre? Oh, tu parles au point de vue de ma polyvitamine, puis après ça, je viens avec un sérum plus spécifique. Parce que la polyvitamine, ça va venir nourrir la peau. Souvent, la peau a besoin d'être nourrie, particulièrement si on commence un soin, par exemple, en hiver. Ben, l'hiver, c'est très dur sur la peau, donc on va venir renourrir, s'assurer que la peau, qu'elle a tout donné, qu'est-ce qu'elle pouvait donner, parce que souvent, ça va régler le problème. Souvent, ça va repulper au point de vue de la ride ridule, juste en vitaminant la peau. Et là, après ça, si c'est pas suffisant, si la polyvitamine est pas suffisante
pour revenir repulper, corriger les rides ridules, corriger le port de peau, la tache pigmentaire, ben là, on va y aller avec un sérum spécifique pour venir travailler ce dont toi, tu veux venir travailler au point de vue de ton visage. Donc, c'est pour ça qu'on commence toujours avec une polyvitamine. Des fois, c'est juste ça que la peau a besoin, de venir... de se refaire une santé, en fait. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on commence avec la polyvitamine au départ, là, pour, je vous dirais, les deux ou trois premières séances, on y va avec la polyvitamine, dépendamment de qui tu es, qu'est-ce que tu veux venir travailler, etc. Au point de vue des soins de base aussi, qu'est-ce que tu as. Donc, on va regarder tout ça aussi dans la première fois que tu vas venir me voir, c'est clair qu'on va regarder tes habitudes au point de vue de ta peau, parce que les habitudes quotidiennes, hein, vous le savez, Institut de beauté et routine rose, ben les habitudes de base ne sont tellement pas à négliger, hein, pour la santé de ta peau. Au contraire, ça va te permettre justement, quand tu vas venir me voir en esthétique, ben d'aller un peu plus loin que de faire des extractions au point de vue des points noirs, des comédons, puisque tes soins de base vont avoir réglé déjà ça. Donc, tu vas pouvoir prendre ton budget puis aller le porter sur un soin beaucoup plus spécifique pour toi, pour ton visage. Josée Turbide a dit « J'ai adoré son soin ». Mais merci Josée, on va se rappeler si tu veux continuer aussi ton traitement. Ça va me faire plaisir de t'accueillir chez moi. Donc, le soin, justement, il est en promotion. C'est un soin qui vaut 250$ et il est en promotion jusqu'au 28 février à 190$ plus taxes. Donc, profitez-en, les filles. C'est vraiment là pour, justement, vous faire découvrir c'est quoi le micro-needling. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce traitement-là. Et comme je disais, ben moi, je ne ferai pas d'engagement. Je sais qu'il y a des instituts qui font des engagements pour des traitements. Moi, le traitement, il est pour toi. Donc, évidemment que je vais t'informer de ben les résultats probants arrivent à la troisième ou à la quatrième séance, dépendamment de toi, de évidemment. Donc, si tu fais juste un ou deux traitements, ben plus tu vas l'étaler dans le temps, moins les résultats vont être probants. Donc, on va s'assurer ensemble qu'on puisse faire au moins les traitements de façon constante pour que tu puisses bénéficier de la totalité de ton soin. Voilà! Merci beaucoup d'avoir participé, les filles. Comme je vous disais, n'hésitez pas à me poser des questions. S'il y en a d'autres qui vous viennent, ça va me faire vraiment plaisir. Je suis impatiente de t'accueillir dans mon nouvel institut de beauté. Et puis, ben au plaisir de te voir chez moi, au plaisir de te jaser particulièrement à toi. Je t'embrasse. Je te souhaite un bon midi. Bye bye.